Bien, bonjour à tous les amis, c'est Bonal Barbu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sur Westland Survival. Du coup, je suis dans la première zone verte. Je viens de commencer légèrement. J'ai eu un premier bot qui m'a attaqué et qui m'a lâché pas mal de petits trucs. Un en métal, des anneaux plastiques pour fabriquer de nombreux objets et des bouts de métal. Donc honnêtement, les graphismes, je les trouve plutôt sympas. Mais s'il y a surtout, j'ai trouvé un truc. Regardez, j'avais pas fait attention dans la première vidéo que j'ai postée. Vous avez les dégâts. Vitesse, défense, esprit 2, vous allez pouvoir tout simplement, j'espère que personne ne va m'attaquer, non a priori non, des dégâts, vous allez pouvoir augmenter en fait votre taux d'attaque. Voilà, l'attaque elle est à 78, 71, on peut l'augmenter encore d'un niveau pour attaquer plus rapidement. Donc, hormis effectivement qu'il y a le gourdin, ce genre de choses, vous avez, c'est un petit peu comme un MMORPG, puisque du coup vous allez pouvoir vraiment créer les stats de votre personnage. Mettre eh bien, ce dont vous avez besoin en priorité. Moi là pour l'instant j'ai mis la vitesse. Et puis après j'augmenterai du coup le comment que s'appelle la force et ainsi de suite. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau on va pouvoir aller dans ce jeu. Peut-être qu'on va pouvoir dépasser le niveau 100, j'en ai aucune idée, ça nous allons le voir très rapidement. En allez, 15 jours, 3 semaines, ça va être fait. Non, je plaisante, on verra le temps qu'il faudra pour atteindre un niveau intéressant. Tiens, il y a un mec Kalao qui est mort, j'ai pas été... Ah si, c'est moi qui l'ai tué tout à l'heure, mais comme il était proche de lui, je voulais pas m'en occuper. Donc là, on récupère toutes ces petites choses-là. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de grosse différence, on va dire. Il y a pas de... C'est sensiblement la même chose, le même délire que Last Day. Hormis... Alors par contre, pas de semences, pas assez de semences de blé. Alors par contre, je vais peut-être me nourrir. Est-ce où les semences de blé? Semences de blé... Ah ouais, non, c'est que j'ai plus de place en fait. Ok, d'accord, très bien. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça. On va switcher. Et là, alors la petite chose, c'est qu'il n'y a pas le système d'expérience, de points d'expérience pour apprendre des nouvelles choses. Ça, effectivement, il n'y a pas. Petite différence, on a passé un level supérieur, ça tombe bien, je commence à avoir la dalle. Des ossements, tiens, on peut rien en faire. Non, les ossements ici, on peut rien en faire. On a récupéré le loup. Alors c'est vrai que là, quand on démarre, hein, on doit tout récupérer. C'est vrai de recommencer un truc un petit peu à zéro, c'est vrai que c'est plutôt sympathique. C'est vrai que dans Last Day, une fois que tu as atteint un certain level, tu n'as pas spécialement envie de tout recommencer. Là, du coup, je viens de prendre un level, donc je peux augmenter mon niveau. Je peux encore augmenter mon niveau. On va essayer... Alors, attendez, si j'augmente... Oh, bah trop tard, j'ai augmenté ça. Du coup, en théorie, il va taper plus rapidement. Les petits lapins sont vraiment très, très sympas. De voir des lapins, ça change des... Ça change du coup grandement. Ça change grandement. Après, il y en a qui vont crier au plagiat. Alors, pour faire un. C'est vrai que quand je m'étais renseigné auprès de développeurs, récupérer un code source comme ça, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. La plupart du temps, ils recréent. Effectivement, ils reprennent la même idée. Mais après, ils ont leur propre code source à l'intérieur du jeu qui permet de changer certaines petites choses. Là, c'est vrai qu'on peut voir rien qu'au niveau du... C'est vrai que pour ma part, ça me fait bizarre parce que du coup, je m'étais habitué à un écran plus petit sur Last Day. Les boutons, comme vous le savez, pour moi, ils sont excentrés. Ils ne sont pas complètement collés... Ils sont pas complètement collés sur... Comme là, sur le bout du téléphone. Alors qu'au tout début, ça l'était. Donc, je ne sais pas pourquoi Last Day... Pour ma part, je suis sur un S8 Plus. Peut-être que c'est un grand téléphone ou je ne sais pas trop pourquoi. Oh non, mais attendez, j'ai mes deux fûts. Je vais peut-être en garder un quand même. Qu'est-ce qui est abîmé bientôt? J'ai une paire de bottes. Oh là là là, une petite paire de bottes. On va mettre ça là. Ça, je pense qu'on va pouvoir le manger. Ça, du coup, c'est full. En général, ces trucs-là, c'est toujours assez facile d'en récupérer. Bon, je vais le laisser. Ah ouais, ça, c'est les semences de maïs. Ok, donc c'est vrai qu'il fallait que je les garde pour pouvoir eh bien, farmer du maïs. Là, celui-ci, je ne l'avais pas ouvert non plus. Voyons voir un petit peu ce qu'on va pouvoir récupérer là-dedans. En sachant que là, comme vous le savez, je suis en train de farmer montre de poche. Et du minerai. Mais ça, c'est bon. Alors ça, du coup, je l'ai déjà, ce truc-là. Le sac à dos, je l'ai déjà. Ça, ça va être du bandage. Soigne les blessures. Très bien. Soigne les blessures. C'est très bien. Il y a peut-être la fibre éventuellement. Ce que je vais faire, on va boire un petit coup. On va boire un petit coup. Alors au début, c'est toujours un peu chaud de savoir ce qu'on garde, ce qu'on vire, ce qu'on n'a pas besoin. Bon. Je vais prendre ça pour l'instant.
Et puis on verra après. Le petit lapin là du coup vient ici. Lui, au début, c'est vrai que ça va me permettre de me fabriquer pas mal de vêtements. Je vais mettre un petit mode auto pour. Ah ouais non, il va pouvoir récupérer ça. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude d'avoir un sac à dos plus grand. Alors il est où le prochain sac à dos là pour voir un petit peu où est-ce qu'on va pouvoir l'avoir. Sac à dos, sac à dos. Et là, sac à dos en toile. Niveau 30 requis. Oh ouais, oh lolo, lolo, ça va être chaud. Donc là, les premières choses à faire, ça va être vraiment de récupérer un petit peu tout ce qu'il y a. Même si. On va le mettre au mode auto. On va le mettre automatique. Comme ça, il va pouvoir récupérer tout ce qu'il peut en récupérer semences. Il ne peut pas récupérer par contre de fibres. Mais c'est pas grave. En attendant, il me fait prendre des petits levels. Je pense que du bois, je risque d'en avoir besoin de masse pour mon. Ouais, mais là on va s'occuper surtout du. On va surtout s'occuper du maïs. Puisque du coup on va avoir besoin de se nourrir très rapidement. Vous le savez, au début c'est pas forcément évident. Non mais attendez, je pense que je vais peut-être des trucs que je vais virer là quand même. Parce que là c'est vrai qu'on va passer à côté de pas mal de bois. Ça au final. Non, mais je suis trop bête, c'est pas ça que je voulais virer. Bon tant pis, tant pis, tant pis, on va récupérer des pierres. Parce que du coup des pierres. Il va nous en falloir, j'ai plus de bois à la maison. Ouais. On va prendre surtout des pierres là, dans ce petit niveau. Voilà, on va prendre les petits rochers. Et c'est parti. Donc nickel. N'hésitez pas, ouais, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez installé. Ce que vous en pensez de ce jeu. Honnêtement, ça me donne. Ouais, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez. Sur Last Day, quand je me connecte, je fais, comme vous le savez. Je récupère des. Je récupère, comment que ça s'appelle? Je récupère du charbon, voilà, je fais beaucoup de charbon. J'essaie de faire toutes mes barres d'acier en attendant la prochaine mage. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent éventuellement m'aider pour l'instant pour avancer et pour essayer de faire mes murs le plus rapidement possible au niveau 4, même si je sais que ça va me prendre énormément de temps. Voilà, c'est le petit objectif que je me suis donné là. Donc du coup, je me connecte, je fais mon maï, je fais mon. Je mets le recycleur en route. Je mets ensuite mon charbon. Je remplis mes différents ma raffinerie. Raffiner. Et puis après, voilà, je quitte le jeu. J'attends que ça se passe. Et j'y retourne 1 heure après. Histoire de relancer la machine. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cette deuxième vidéo, deuxième épisode sur le jeu Westland Survival. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Honnêtement, c'est un jeu, je pense, qui est prometteur. Surtout avec ce petit système. Alors ça, du coup. Plus signifie que vous infligez plus de dégâts aux ennemis à chaque coup. Dégâts armes 14 plus 0 stat dégâts. Une vitesse plus élevée signifie que au corps à corps et à distance seront plus rapides. Vitesse 1,71. Test d'attaque 83. Défense, ça ok. L'armure. Et puis là. Des points vous permettent de contrôler les animaux et créatures. Coyote 5, 5, loup 10, 10. Alors là, je me demande comment on peut contrôler les animaux. Ça peut être éventuel, ça peut être vraiment très sympa. Et bah écoutez, on va se laisser là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao les amis.